naturellement, derrière ces jeux, il y a des milliers de tuyaux. Les plus gros ont une en façade, parce que d'un côté, ils sont décoratifs, et surtout, ils sont très encombrants. On ne sait pas où les mettre, alors on les met dehors. Et ils nous servent. Et certains qui sont muets, il y en a qui sont muets pour la plupart décoratifs, on les appelle les chanoines, parce que c'est comme les chanoines dans les cathédrales, ils ne servent à rien, ils sont jolis dans le décor. J'imagine qu'il y a parmi vous peut-être quelques connaisseurs et sans doute beaucoup de gens qui découvrent l'orgue en général. Donc quelques principes très simples, vous avez peut-être remarqué ces choses-là. Donc on a trois claviers sur cet orgue. On a ici bien sûr un instrument de grande taille. Les orgues, vous en avez beaucoup de petits, ici c'est un grand modèle. Vous avez trois claviers, un pédalier. Les trois claviers commandent chacun une partie différente de l'orgue. Le clavier du milieu est le clavier principal. Ce sont les jeux qui se trouvent dans la partie centrale. Le pédalier a en majorité des grands tuyaux pour jouer des notes graves. Et donc là, la plupart de ces tuyaux se trouvent dans ces grandes parties, on appelle des tourelles de pédales, de part et d'autre de l'instrument. Les deux parties plus petites correspondent au premier clavier. Et enfin, le troisième clavier commande une partie de l'instrument qui est visuellement un peu confondue avec la grande partie, c'est la partie en fait supérieure de cette partie centrale. Vous avez remarqué avec cette présentation les choses qu'on peut faire avec ces différents claviers. Chacun a des jeux de différents timbres. On peut par exemple isoler un timbre pour jouer une mélodie en solo avec un timbre qui aura un caractère plus affirmé. Cornet, lequel jeu va se réveiller complètement dans l'acoustique. Ici, donc, l'atelier est un endroit fonctionnel pour construire l'instrument. Après, si vous avez l'occasion de voyager un jour et de vous rendre dans l'église où vous pourrez réentendre cet orgue, vous ne le reconnaîtrez plus. Le son sera complètement métamorphosé, en l'occurrence bonifié, embelli, amplifié par l'acoustique. Mais donc, sur deux claviers, on peut procéder sur un étage. Et par exemple, un accompagnement, quelque chose de doux, qui rendra l'harmonie sur un autre clavier. Peut-être qu'on peut se voir tout à l'heure. On les entend de manière très abrutie dans la pièce que vous allez jouer maintenant, qui est donc un prélude en sol majeur d'un compositeur allemand qui s'appelle Nikolaus Bruns. Il a connu à la fin du XVIIe siècle. Dans sa région, on construisait des instruments importants avec des sonorités.